Coucou, c'est Valérie. Eh ben, aujourd'hui, on va ouvrir ma Blissim de décembre. Voilà, moi, je suis abonnée personnellement depuis janvier 2022. Voilà, régulièrement, je les ai eus tous les mois. Et là, j'ai re-signé pour un an. Voilà, jusqu'à l'année, fin de l'année prochaine, à 14,90. Je sais qu'elle a augmenté. Voilà. Moi, j'en ai été très contente. En fait, il y a plein de vidéos que j'ai voulu faire, mais j'ai eu une vie un peu space. Cette année, donc, tout est passé à la trappe. Mais franchement, il y a très peu de produits qui m'ont déçu de chez eux. Donc, j'ai décidé de continuer un an de plus. Et puis, je leur dis merci. Et déjà, ça m'a redonné goût à m'occuper de moi. Parce que voilà, à 56 ans, entre la vie, les enfants et tout et tout et tout, on finit par s'oublier. Donc, voilà, maintenant, il est temps. Les enfants sont grands. Donc je vais me bichonner un peu parce que je pense que dans la vie, il faut déjà s'occuper de soi-même. Alors, je vais vous montrer, là j'étais contente en fait quand j'ai reçu mon colis de Blissim parce que là, c'était pas le même format que d'habitude. Ce qui voulait dire qu'il y avait une des grandes eaux parfumantes là. Et ça, je voulais tester. Voilà, j'avais envie d'avoir déjà ça comme produit. Donc j'étais contente. Alors, on va regarder ça ensemble. Un peu brut, hein. Mais je vous sors ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Déjà, la boîte, franchement, très mignonne, hein. Et donc, écoutez, on va attaquer par ce produit que je voulais voir de chez Solinote, parfum. Musc, brume parfumée, corps et cheveux. J'arrive pas bien à voir. Mais quel est le parfum? Ça doit être ça. Musc. Écoutez. Ah, perso, j'adore. C'est. Ça sent très bon. Ça me correspond complètement. Voilà. Merci Blissim, rien que pour ça. Ça sent pas du tout le musc comme c'est écrit. Moi, je pense pas ça. Voilà, je trouve que ça sent plutôt frais. Le frais et puis une arrière-odeur des petites lingettes à mon fils là pour le nettoyer. Donc j'aime bien. C'est doux, agréable. Et acide en même temps. Voilà. Écoutez, on va passer au produit suivant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Déjà, j'aime bien parce que c'est une box à tiroir. Et puis, franchement, là, ça rend pas à la caméra, mais c'est vraiment doré. C'est très mignon. Donc, celle-là, c'est sûr, je la garde. Voilà. Il devrait nous faire que des boîtes comme ça d'abord, parce qu'au moins on pourrait les empiler et puis ça nous sert quoi. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà on va regarder ça. Ah oui, donc c'est le bon produit. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Solinote, brume, parfum. Ah, excusez-moi. Voilà, ça arrive à tout le monde. Brume, parfumée, corps et cheveux, 6 senteurs. Différentes. Ça vaut pour les abonnés 13,18 € et 15,50 € pour les non-abonnés. Il y a 250 ml, c'est valable. Écoutez, par rapport à ce que je vois, je suis contente de ce que j'ai reçu. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Alors, et si vous découvriez cette brume délicatement parfumée et sans alcool, ce qui est bien. Un geste, elle se dépose sur la peau et les cheveux pour une senteur délicate, je confirme. Après, je ne sais pas si ça reste longtemps, mais sur le coup, c'est vraiment sympa. On aime chaque senteur, s'adapte à votre envie parfumée du jour, que vous soyez d'humeur festive ou décontractée. Vaporisez un nuage de parfum sur le corps et les cheveux à la sortie de la douche, à tout autre moment de la journée pour parfumer et hydrater votre peau. Voilà la compo.
Écoutez, contente moi de ce premier produit. On va regarder ce que j'ai d'autre. Alors, j'ai reçu l'huile, pardon, l'huile démaquillante pour peau merveilleuse. J'allais vous dire, j'étais un peu enrhumée et j'ai un peu du mal à m'en remettre en fait. Ça racloune encore un peu. Alors, cette huile démaquillante élimine parfaitement tous les types de maquillage, même waterproof. On aime sa texture enveloppante. On aime sa texture enveloppante se transforme en lait ou au contact de l'eau pour un démaquillage en douceur et sans fini gras. Sa formule de la fleur, sa for, dans sa formule, pardon, de la fleur de camomille reconnue pour ses propriétés apaisantes. Après rinçage à l'eau claire, la peau est nourrie, douce et lumineuse. Ok. Voilà ce qu'ils disent d'autre. Made in France, elle est végane, convient à tous les types de peau et contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est idéale pour le démaquillage quotidien du visage et des yeux. Ensuite, en troisième, j'ai donc eu. Je regarde d'abord le bouquin, puis on regardera dans la boîte après. Voilà, ça change. Alors, de la marque Paille Max, le masque Résurrection Girl pour le visage. Donc, nous, on a eu, enfin, celles qui ont eu la même chose que moi, 20 millilitres, une miniature. Et le gros vaut, le 75 millilitres, il vaut 41,65 pour les abonnés et 49 pour les dons. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent? On vous présente la solution pour étancher votre soif hivernale, le masque hydratant paille pour peau sèche et déshydratée. Ce qu'il fait, ce masque gel hydratant et désaltérant redonne un nouveau souffle à votre peau avec sa texture riche et soyeuse. Ce masque ravive la peau en seulement 10 minutes. On adore. Elle contient 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Le résultat, la peau est repulpée, lumineuse et éclatante. Eh bien super, on va tester ça. Alors, appliquez généreusement sur une peau propre et sèche par mouvement circulaire. Laissez poser au moins 10 minutes pour humidifier vos doigts, puis, ah pardon, humidifier vos doigts et masser pour créer un lait soyeux rincé abondamment à l'eau. Normal. Ensuite, ah ben je suis contente d'avoir ça. Je l'avais vu dans d'autres. Pardon si ça bouge, hein, mais bon. Je l'avais vu dans d'autres youtubeuses que j'ai regardées qui avaient eu ça. Et ça m'avait fait envie. Donc super. Alors, tease fard à paupières, too D4 Glow On To Go. Donc c'est du make-up. Hein. C'est un fard à paupières. Ouais, j'ai lu ça par contre. J'étais allée voir sur mon compte Blissim parce qu'il nous propose de regarder à l'avance ce qu'on va recevoir ou pas, et puis c'est nous qui choisissons bah, si on clique ou pas pour savoir. Et là, j'avoue que j'avais cliqué. Alors, c'est un petit format, mais ça m'a l'air très mignon. On regardera ça, on va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? On a enfin trouvé le secret d'un glow parfait. Ce fard 2 en 1 ombre à paupières et highlighter, c'est le moment ou jamais de briller. Sa formule, très soyeuse, glisse en douceur lors de l'application pour un compte rendu glowy à souhait. Parfait pour un éclat subtil au quotidien et pour un look de fête éclatant. Sa formule est végane. Voilà. Appliquez avec un pinceau votre doigt sur la paupière, mais aussi sur les zones du visage à éliminer. Alors, bout du nez, haut des pommettes et arc de Cupidon. Ensuite, moi j'ai choisi le rouge à lèvres MAC. On avait le choix entre une huile, je ne sais plus trop de chez qui, de chez Paille peut-être. Je ne me rappelle plus, mais ça ne m'intéressait pas. Donc je me suis pris le rouge à lèvres. J'ai pris le plus foncé, je n'ai pas pris le rouge rouge. Voilà, de chez MAC. Alors voici votre nouveau rouge à lèvres favori, rien que ça. Un produit culte de la marque. MAC, donc facile à appliquer, qui va devenir un véritable indispensable. On aime de point sa formule
riche et crémeuse, et son fini mat, sans transfert, qui n'assèche pas les lèvres. Ça m'ennuie un peu que ça soit mat, mais bon, ils nous ont pas trop laissé le choix. Moi, j'aime bien quand même que ça brille quand je mets quelque chose. Voilà. On adore sa tenue longue durée qui résiste au café bien chaud et au brunch interminable. Ben écoutez, on essayera, hein. Puis je vous en redirai quelque chose. Parce qu'il y a des produits que je garde pas, des fois que je reçois, mais ça, je vais garder. Les rouges à lèvres MAC ont une tenue impeccable, un confort absolu et des teintes magnifiques. Le rendu mat est sublime et sans transfert. Voilà, signé de Manon. Voilà. Je me souviens plus du nom de la teinte, du bonnet, je crois, quelque chose comme ça, je vous redirai. On va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ah oui, la wishlist. Moi, je me suis inscrite, mais bon, j'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Ensuite, je vous laisse, s'il y en a qui ont envie de faire pause et de lire, parce que je vais quand même pas lire tout le bouquin entier, hein. Voilà. Il nous présente des produits, hein. Comme d'hab, des idées cadeaux pour Noël. Voilà. Ensuite, pas y arriver. Ah, ça c'est la nouvelle box qui va y avoir là. Kia, je crois qu'elle est déjà en route. Voilà. Moi perso, je la prendrai pas. Je m'étais pris celle du printemps, celle de l'été. J'ai pas pris l'automne ni celle de Noël, j'avoue. Voilà. Et puis le calendrier, ben, j'ai pris celui de Glossy. Et My Budget ne me permet pas de prendre tout le monde. Voilà, je vous laisse un peu de temps en fait, volontairement. C'est peut-être un peu long pour ceux qui n'ont pas envie de ça. Et c'est pas au point, je ne suis pas une pro, hein. Moi je débute. Donc voilà. Ça, c'est de la pub, ni plus ni moins. Voilà, une checklist jusqu'à la fin de l'année, avec des petits détails dans le style. Voilà, j'ouvre enfin mon calendrier de l'Avent. Ben, moi, ça a démarré, hein. Enfin, voilà, quoi. Si vous voulez voir, je vais vous montrer tout ce qu'il y a écrit. Voilà, je suis peut-être allée un peu vite. Ensuite, on finit par ben, la pub de leur coffret de 3 mois d'abonnement. Voilà, c'est toujours des cadeaux sympas, je trouve. Alors, ben, on va continuer avant de voir ce qu'il y a dans ma boîte. Ça, c'est super. Bon, pour les gens qui ont une boutique à côté de chez eux, moi, c'est un peu loin. Donc, c'est valable combien de temps? D'ici le 31 janvier, hein, si mon budget remonte, peut-être que j'en profiterai. Voilà. 15 euros chez Mac. Gratuit pour si on est en boutique, simplement 15 euros. Seulement pour le site, c'est 40 euros. Donc voilà. On a reçu aussi, j'ai vu ça dans les autres youtubeuses, une petite carte, le petit ballon. Ben, c'est pour faire un abonnement en fait. Voilà. Pour offrir, il y a une réduction de 10 euros offerts. Voilà. Ensuite, bon, maintenant on va regarder le restant de ma boîte. Ah, voilà. Ah, voilà le soin paille. À garder 10 minutes et à rincer. Ah, les chiens, je suis désolée. On peut pas prévoir. Ça, c'est la petite huile démaquillante. Ben, écoutez, je vais la tester. Ravie. Voilà.
Voilà. Il y a combien de millilitres? Il y a 10 millilitres. Alors, ça c'est ma petite palette. Comment est-ce qu'on l'ouvre? Ah ben super, tout simplement. C'est vraiment très 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 mignon. Perso, j'aime beaucoup. Voilà. Un petit emballage en carton. C'est mignon. La couleur est bien flashy. Je vais essayer de bidouiller avec mon autre doigt. Voilà, je m'en suis mis un petit peu là et franchement, canon. Voilà, ben ça je garde, je suis très très contente. Ensuite, ben mon rouge à lèvres MAC. Alors moi j'ai pris la teinte du bonnet. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc voilà, ben on va l'ouvrir parce qu'en fait, je ne l'ai même pas testé encore. Ça aussi, je le garde parce que ben parce que c'est quand même ma marque. Donc je vais me permettre de le tester. Oh, il est beau. Il est très beau. On va faire pareil, je vais poser et je vais faire avec mon autre main en fait pour pouvoir faire un swatch. Ben, il est très beau. Il est moins rouge qu'à la caméra. Voilà. Il est très très beau. Je vais laisser sécher, voir ce que ça donne. Ben franchement, contente de ce rouge à lèvres d'avoir fait ce choix-là. Voilà, et puis j'ai eu le petit bracelet, donc, que tout le monde a eu. Parce que bon, Blissim, c'est un peu ça, c'est une box. On ne reçoit pas toutes la même chose. On a un produit à choisir tous les mois, vers le 15 en général. Et le reste, c'est aléatoire selon notre profil beauté. Voilà, qu'on a rempli. Voilà, un petit bijou, un petit bracelet fantaisie. Ben, c'est toujours sympa. Un de plus. Voilà. Je trouve qu'il est mignon. Voilà, j'ai entendu plein de critiques là-dessus. Moi, je le trouve mignon, perso. On ne peut pas s'attendre à des miracles avec une box à ce prix-là, quand même, quoi. Moi, je suis contente. Mais écoutez, pour finir cette année, là, franchement, ben, je nous trouve gâtés. Enfin, moi, ma sélection, ben, elle est vraiment canon, quoi. Voilà. J'aime beaucoup mon petit rouge à lèvres MAC qui est superbe. Vous voyez, on le voit sur ma main. Mon petit bracelet, moi j'aime bien. Avec une petite pamponnette là. Alors, mon qui fait highlighter et en même temps fard à paupières. Ben, ma super eau parfumée, là j'aime beaucoup. Ça sent bon là autour de moi. Ça, c'est un masque, un soin du visage. À rincer et ça c'est une huile démaquillante, voilà, je testerai, de la marque Imparfaite. Moi j'ai été gâtée, voilà. Si en plus bah, on ajoute bah, le petit bulletin pour un abonnement de 10 €, la carte MAC de 15 pour ceux qui ont la chance d'habiter à côté d'un magasin, bon bah ça leur fait toujours ça de plus. Bah franchement, très contente quoi. Voilà. Et puis je voulais vous parler. J'ai reçu là, ben, là il est. Pardon si ça bouge, je recule un peu. C'est 16 h là. J'ai reçu ben, il y a un quart d'heure en fait, juste avant de filmer, un message de chez Blissim. Et je voulais vous dire ben, qu'est-ce qu'il y avait pour le mois de janvier à choisir. Alors il y a soit la box 100% la rosée qui pour un montant de 66 € total. Donc pour 14,90 ou 16,90 pour les nouvelles. Donc c'est 5 essentiels de la marque La Rosée. Il y a 4 formes à vente. Une crème de jour adaptée à notre peau, donc à notre profil beauté quand on remplit. Un gommage doux pour une peau toute lisse. Un stick lèvres nourrissant à souhait. Un baume SOS qui répare absolument tout. Et en miniature, il y a un masque stick purifiant.
Voilà, il y aura donc ces cinq articles. La boîte, elle est bleue, ciel et rose clair, d'après ce que j'ai vu, avec des styles de petites vagues. C'est mignon. Voilà. Et bah, dans l'autre formule, on aura un produit La Rosée qui sera le stick. Et le reste, et bah, quatre surprises. Donc, bah, j'hésite encore, en fait, au moment où je filme. Je me tâte, voilà. Parce que c'est vrai que La Rosée, c'est quand même des bons produits. Voilà, une valeur sûre, mais j'aime aussi ce côté surprise, quoi. Donc, ben, je me tâte vraiment. Va falloir que je me décide. Parce qu'il faut leur répondre avant le 16, je crois. Voilà. Et voilà, ben, je tenais à vous partager cette info, parce que je trouve que c'est toujours bon à savoir. Et puis, je vous fais des gros bisous. Likez si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À commenter, étant donné que je suis abonnée à Blissim, bah, j'essaierai de vous glisser mon petit code promo parrainage. J'essaierai de faire ça parce que c'est nouveau pour moi hein, de filmer comme ça. Donc je suis pas du tout une pro encore. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros 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 bisous. Et puis bah, à la prochaine. Je vais pas tarder à en faire d'autres parce que j'ai des jouets que j'ai rachetés pour mon petit-fils et que je voulais vous montrer. Voilà en plus. Voilà, gros bisous, c'était Valérie.